Josia, une petite fille de 7 ans vivant dans le Fouktan d'Ankilmafait, est l'une des élèves qui ont la chance d'aller à l'école grâce à l'appui du système des Nations Unies à Madagascar. Contrairement à de nombreux enfants vivant dans le sud, ces enfants, depuis leur bas âge, bénéficient de l'existence de la cantine scolaire ainsi que de nombreux appuis venant des agences du système des Nations Unies. En effet, dans cette école d'Ankilmafait, en Bouvumbé du Sud, l'UNICEF, le BIT et le PAM interviennent ensemble pour la construction, la cantine scolaire, l'octroi des kits didactiques et kits d'hygiène, ainsi que pour la mise en place du jardin scolaire et l'approvisionnement en eau. L'existence des deux citernes résout en partie le problème d'approvisionnement en eau au niveau de l'école. On travaille beaucoup évidemment avec nos partenaires d'éducation pour donner l'eau aux enfants. Donc là c'est un pluvarium qui récolte l'eau. Le problème c'est que ce n'est pas suffisant évidemment quand il ne pleut pas toute l'année et que la qualité de l'eau elle-même est vite contaminée. C'est pour ça aussi qu'il y a les filtres. On travaille ensemble avec nos amis évidemment du ministère, en particulier les professeurs, à la fois les fonctionnaires et ceux qui sont nommés par la communauté, parce que vous allez les rencontrer, ils sont très motivés. Le problème c'est la formation évidemment. Néanmoins, pour résoudre le problème, la prise de responsabilité du gouvernement, de la communauté, du directeur de l'école, des instituteurs ainsi que des parents d'élèves est primordiale. Des formations sont également organisées en partenariat avec les agences du système des Nations Unies tous les ans pendant la période des vacances afin de renforcer la capacité des responsables et des instituteurs au niveau de cette école. Grâce au kit wash, le lavage des mains avant chaque repas a été acquis par les élèves. Pour la cantine scolaire, le nombre des jours de consommation est de 165. Les repas sont composés de maïs, des légumes secs mélangés avec de l'huile ainsi que des aliments nutritifs. Les vivres, les ustensiles de cuisine viennent des agences des Nations Unies, tandis que la communauté, à travers chaque enfant, apporte les bois de chauffe et l'eau. Ce qui pose des difficultés aux élèves et leurs parents, car il est difficile de trouver l'eau pendant la saison sèche. La communauté organise la cuisson et ce sont les mamans des élèves qui cuisinent. Selon le chef Cisco, 150 000 élèves, c'est-à-dire 50% des élèves dans le sud, ne bénéficient pas encore de la cantine scolaire, alors que ce projet constitue la garantie de l'augmentation du taux de scolarisation et de la baisse du taux d'abandon au niveau des écoles. Devant cette situation, le Premier ministre Mafal Soulan-Hassan Olivier a interpellé le ministre de la Population pour inciter les bailleurs de fonds à appuyer les initiatives du système des Nations Unies à Madagascar. Pour la construction, le BIT intervient dans 3 districts de la région d'Anjoui. Grâce à son appui, une cinquantaine de bâtiments suivant les normes ont été construits. En tout, 506 élèves, dont ceux du préscolaire, bénéficient des aides du système des Nations Unies au niveau de l'EPP d'Ankilmafait. Grâce à ce programme conjoint des agences du système des Nations Unies, une amélioration de la capacité de concentration et d'apprentissage des enfants à l'école, ainsi qu'une amélioration de l'état alimentaire et nutritionnel des enfants ont été constatées. I've been to another country before coming here, but I have to say the situation here in the southern part of Madagascar is worse. The people in this region, I think, is even in more dire need. So humanitarians will try to do what we can, but we need more resources. We want to partner with the government, and I'm very happy to be here with the Prime Minister. La prochaine phase est d'amener plus de partenaires afin que tous les enfants puissent avoir la même chance de rester le plus longtemps possible à l'école.